Salut mes petits chats biodégradables, est-ce que vous allez bien aujourd'hui? Pourquoi je fais une voix de DJ des années 80, je ne sais pas. Aujourd'hui on va sauver la planète, vous allez me dire, c'est ton quotidien Queen Camille. Oui, c'est vrai, mais aujourd'hui nous allons sauver la planète avec McFly et Carlito. Ils ont annoncé hier à leurs abonnés qu'ils organisaient une clean up walk. Une clean walk c'est quoi? C'est quand tu marches comme ça et hop, tu nettoies en ramassant les déchets que d'autres personnes ont laissés là, sûrement par mégarde. C'est Benjamin Carboni qui a lancé ce mouvement Clean Walker. Mademoiselle soutient cette initiative, je soutiens cette initiative, je suis assez fière de vous dire que je n'ai jamais jeté un papier par terre. Et ce pour la bonne et simple raison que quand mes parents voyaient une personne faire ça, ils l'insultaient avec énormément de violence. C'est donc ainsi que j'ai appris à utiliser les poubelles. J'ai appris il y a 2 heures que McFly et Carlito organisaient cette clean walk, donc je sors de ma zone de confort, pas de problème, j'adore l'imprévu. C'est faux. On va tout de suite aller les rejoindre, je vous emmène avec moi, car je suis une femme de terrain et que j'aimerais autant que la planète devienne pas une grosse décharge. Mais ça pourrait être sympa, ouais. Allez, c'est parti, allez, tu viens avec moi, allez, hop, 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 hop. Propulsé par mademoiselle.com. Ah ouais. Ce qu'on va combattre. Je suis en train de marcher jusqu'au point de rendez-vous que McFly a donné à ses abonnés sur Instagram. C'est dans le 19e arrondissement de Paris. Évidemment, c'est le jour qu'a choisi l'automne pour enfin se manifester. Et je suis sans jupe et sans collant. Ce qui n'est pas la meilleure tenue pour ramasser des déchets sous un ciel menaçant. Y a-t-il vraiment une bonne tenue pour sauver la planète? L'essentiel, c'est quand même de participer. Et voilà. Merci. De rien. C'est mon feedback du jour. Comment vous allez? Ça va et toi? Bah ouais, écoute, je suis en train de tester ce gant de jardinage. Ouais. Ça va m'être bien utile. Et regarde, il me va comme un gant. Ah, oh, yes. Excellent. Un gant avec la marque Dexter's, ça rassure pas. Je vais faire des trucs chelous. Tiens, regarde, on dirait que j'ai des mini doigts. C'est pas trop bizarre? Tu vas pouvoir ramasser que des tout petits déchets. Attention, yes. Il y a une fille dans le passage qui est à ce moment-là. Ah bah alors. Ah, allez, allez, bravo. Silence, silence, silence. Action. Allez la planète. Non, plus à gauche, je pense. Ah, c'est abusé là. Là tu fais quoi? Là je suis en train de me laver les mains. De manière tout à fait écologique. Sans eau. Sans eau. C'est incroyable. Sans savon. Sans pantalon. Quelle propreté. Je suis pas très écolo au quotidien. C'est un peu la culpabilité quelque part. Oui. Mais non, mais c'est tout le mouvement qu'il y a en ce moment et je me rends compte que merde, putain, mais moi je suis pas écolo du tout. Je prends les douches trop longues, je pense. Je laisse l'eau allumée quand je fais la vaisselle. Ça, tu vois, je fais des efforts. Mais et ça te passe notamment par des choses comme ça, genre faire des marches. Tu es l'inventeur du lavage de mains sans eau, qui est une quand même. Exactement. Une donc tu vois, quelque part, je mets ma pierre à l'édifice, ouais. En inventant ce système de lavage de mains. Je suis fier de toi. J'étais le mec en slip dans le premier épisode de MacGyver. C'était toi. Je vais ramasser des mégots et des trucs qui traînent par terre. C'est ça ton kiff? Non mais en vrai je le fais tout seul. C'est vrai? Ouais, à la plage je ramasse les mégots des gens. Beau gosse. Je suis comme ça moi, tu sais. Je prends la nature, je lui donne un maximum d'amour. Regardez tous ces petits enfants qui sont l'avenir de la planète et qui ont préféré venir ici ramasser les déchets plutôt que rester tranquille chez eux à manger des Cheetos devant les dessins animés puisque c'est le premier jour des vacances. Je les respecte grave. Merci à tous d'être là, ça va être génial. McFly, un dernier mot. Est-ce que vous avez tous vos petits gants à montrer les gants s'il vous plaît? Petit sac, montrez les sacs s'il vous plaît. C'est parti, on va faire un 3, 2, 1, chacun vous vous dispersez sur la place, on reste sur la place. Il faut ramasser dans les moindres détails, le moindre mégot, le moindre chewing-gum, ok? 3, 2, 1, go! Eh mais regardez, c'est Laurent. Je me sens inutile, il y a beaucoup trop de gens pour faire ça. Il y a beaucoup trop de gens pour faire de déchets. On investit toute la place de Joinville dans le 19e. C'est la première fois qu'on peut se rendre qu'il n'y a pas assez de déchets à un endroit. C'est vrai, c'est trop propre, hé, oh. Je vais jeter un mégot. Franchement, les gens, c'est abusé, les gens sont là. J'en vois tout le temps dans la rue. Ils mangent une courgette, hop, ils la finissent pas, ils le jettent dans la rue. Est-ce que c'est vraiment comme ça qu'il faut faire? Je crois pas. C'était pour reconstruire la faune. Et voilà, c'est ça. Franchement, c'est abusé, une courgette usagée. Non, moi je jette. Il y a plein de mégots par terre là, incrustés dans le goudron. Une grande frustration du ramasseur de déchets. Oh, j'ai une belle prise là. Oui. Salut mademoiselle, j'ai pas véritablement bordé mais j'ai eu un peu d'endorphine. T'as c'est vu très, c'est, ça n'a aucun sens. Mégots, là. Tu sais, je devenais fou là dès que je vois des mégots. Bah, ouais. C'est la quête du pirate, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça reste un peu triste mais là pour l'instant on est dans l'excitation, en plus c'est une action groupée, tu vois. T'as vu, ça donne foi en l'humanité quand même. Là ce qui se passe là, ouais, mais les... ça, voilà, ce plan est chambé, tu l'enverras ce plan. Jamais. Là les mégots c'est juste une folie. Regardez, il y a juste à se baisser. C'est la bonne saison pour ramasser les mégots. J'ai l'impression que c'est la bonne saison. C'est l'automne, il y a les feuilles qui tombent, qui viennent cacher les mégots pour en accueillir de nouveau. C'est hallucinant en fait.
C'est fou, hein. Ouais, en fait, c'est vraiment dans le paysage urbain. Tu vois même plus, quoi. T'as beau chercher. Là, c'est sans fin, quoi. Non, c'est normal, il se pose, quoi. Mais il y a des poubelles. Oh putain. Putain, je viens de trouver 100 balles. Ah non, c'était un déchet. T'as trouvé 10 centimes? Ouais. En quoi, tu vois, le karma. J'ai bien fait de venir. Est-ce que tu crois que ces 10 centimes, c'est quelque part la nature qui te remercie? C'est surtout la nature qui l'a enlevé à quelqu'un qui polluait et qui me l'a rendu à moi parce que je ramasse des mégots, énormément de mégots. Un juste retour des choses. Tu vois, c'est un cycle. C'est un panier qu'on fixe sur les vélos. Ah ouais! Je l'ai trouvé dans un des buissons. Là, honnêtement, c'est la pièce maîtresse. Hein. Je pense que je vais le garder celui-ci parce qu'il est priceless. T'as tiré le jackpot? Bah, le revendre. Au départ, j'ai pensé que c'était une installation. Je le voyais posé par terre comme ça. Je me suis dit, tiens, c'est un truc pour faire de la lumière. Je tire dessus, ça vient. Ah, c'est pas de l'art contemporain finalement. Est-ce que ça nous donne foi en l'humanité? Pas du tout. Pas vraiment, hein, désolé, mais pas vraiment. Non, en fait, on va se diriger vers l'avenue de Flandre. Donc, on va se mettre devant avec Carliton et les influenceurs suisses nommés. Et vous nous suivez. Petit tips clean up walk qu'il faut éviter de marcher sur la ficelle de chaque poubelle des gens. Hein. Non, ça peut être dangereux. On fait un nombre de squats incalculable. Je pense qu'on va tous finir cette clean up walk avec des fesses très très musclées. On s'en rend compte, on sauve un peu la planète en fait. Quelque part. On serait pas des super héros. Yes, je remercie. Les gens me donnent des détritus. Je crois que t'as pas de sac poubelle toi. En fait, on a plus rien à foutre. La meuf est là pour faire des images. Par contre, quand faut mettre les mains dans la merde, y a plus personne. Je déconne, putain, ça va, oh là là, ils sont crispés. Quand même, le sac me fait rempli, hein. Yeah, yeah, là. T'as fait un apéro, mais de fou. Moi, j'ai pensé à un système, on pourrait prendre des sacs, tout ce qu'on doit jeter, on les mettrait dedans. Ensuite, il y aurait par exemple des camions qui viendraient récupérer tous les sacs et les jeter à un endroit conçu pour ça. Là, t'as pesé tout ton verre? 25 kilos de verre, c'est énorme. Tout ce qui est important! Merci, bravo! Ouais. Bah, tout le monde est trop content parce qu'on vient de ramasser plus de 143 kilos de déchets, c'est énorme, mon gars! En fait, sachez-vous, faites-le dans votre ville ou dans votre campagne, utilisez le hashtag CleanWalker, ce serait gentil. Et être gentil, c'est gentil. Aujourd'hui, on a fait une clean walk pour la chaîne. On n'est pas des donneurs de leçons, on fait des erreurs tous, hein, nous les premiers. Ça m'est déjà arrivé de jeter un truc par mes gardes par terre, de faire tomber un truc de ma poche, d'avoir la flemme de le ramasser. Non, mais c'est très vrai. L'idée, c'est d'essayer de se dire qu'on fait tout notre mieux et qu'on se donne. On a le droit aux erreurs et alors on a le droit aussi de se rattraper. Donc voilà, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Bien joué. On a bien lavé notre conscience et la planète. Tout à fait. Bravo. Yes, on a raté ce check. Salut, ciao.